Message intuitif pour le signe du Scorpion pour le mois de juin 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle, comme il est possible qu'il soit destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Maintenant, pour commencer, j'ai pigé la carte numéro 1, celle de l'éveil, qui vient nous dire ici que vous êtes prêt, prête à commencer quelque chose. On nous parle ici d'un changement important dans votre vie. On nous dit que vous avez l'expérience, le vécu, la maturité, la sagesse, la jeunesse. On nous dit que vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. J'ai pigé 5 cartes ici pour m'aider à recevoir le message. J'ai élevé 2 cartes qui m'ont paru un peu plus lourdes. C'est la carte de la fin et celle de la déchéance. Ici, moi, j'ai ressenti qu'on avait vécu une séparation, une rupture amoureuse et ça a été douloureusement vécu. C'est la carte de la déchéance qui me dit ça, qui est une carte de destruction, d'effondrement. Ça nous a mis à terre. On nous parle de bouleversement émotionnel. Très éprouvant de traverser cette étape. On a peut-être demandé de l'aide aussi avec la carte du message, celle où on voit la bouteille à la mer. On a peut-être eu besoin de soutien ici pour traverser cette étape. Maintenant, cette bouteille à la mer peut prendre une autre signification. On nous dit ici que qu'il est possible que vous allez recevoir un message, un courrier. La carte de la révélation nous dit aussi sensiblement la même chose. Elle nous parle de la possibilité de recevoir une déclaration. Il y a quelqu'un qui veut se confier à vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir à vous. Elle a besoin de vous parler. C'est une personne, quand je regarde la carte de la célébrité, qui peut être en contact avec le public. C'est une personne qui est aimée, qui est appréciée. C'est une personne qui a une certaine popularité auprès des gens. Elle est appréciée pour ses qualités, ses talents, ses habiletés. On nous dit ici qu'il est possible que vous allez recevoir un appel de cette personne parce qu'elle a quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. J'ai demandé, qu'est-ce qu'on allait débuter en ce mois de juin? Et j'ai pigé la carte de Cupidon. Ici, on vous invite. C'est une invitation à vivre l'amour, la rencontre amoureuse. Voilà ce que j'ai vu pour le mois de juin pour vous. C'est l'occasion de repartir sur une nouvelle base. Parce que lorsque je regarde l'ensemble des cartes, ce que je me demande, est-ce que c'est une personne du passé qui revient, qui a compris certaines choses et qui a besoin de se confier, de vous parler? Et qui a le goût de recommencer avec vous. C'est possible. Vous aurez un choix à faire, mais vous avez cette occasion qui se présente à vous, une occasion amoureuse, la rencontre amoureuse. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici pour le mois de juin. Bien, je vous souhaite un beau mois de juin. Au plaisir!